Dans cette vidéo, vous verrez les 29 enfants les plus inhabituels au monde. Nous découvrirons une fillette aux yeux argentés, un nouveau-né aux cheveux blancs, une fille sirène ou encore une petite qui mange au moins 180 bananes par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Primrose Austin était une petite fille de 5 ans lorsqu'elle subit une lourde opération durant laquelle elle a dû se faire enlever les yeux, car elle souffrait d'une maladie oculaire rare, un glaucome congénital non traité, qui la faisait énormément souffrir. Ces derniers étaient recouverts d'un voile argenté, accumulant la pression et entraînant un décollement de la rétine. Pendant très longtemps, la petite Primrose souffrait dans le silence et dans le noir absolu, car elle ne pouvait bien évidemment rien voir. Sa mère adoptive, Erin Austin, a déclaré que sa vie était un véritable cauchemar, car Primrose passait 16 heures par jour à pleurer de douleur. La petite avait vécu dans une négligence totale dans son orphelinat avant que ses parents adoptifs ne viennent la sauver, la traiter et l'intégrer dans leur famille. Aujourd'hui, même si elle est toujours aveugle, Primrose ne souffre plus et elle vit ses meilleurs jours à Bufford, en Géorgie, aux États-Unis, où elle grandit aux côtés de ses deux frères et sœurs aînés. Une famille soudée qui l'aime comme si elle était leur véritable fille biologique. L'enfant que vous voyez là s'appelait Sam Burns. Il était élève du secondaire à Foxborough et son combat de vie était mené contre la progéria, une maladie rare qui induit un vieillissement précoce. Mais avant de rendre l'âme à l'âge de 17 ans, Sam Burns a laissé une leçon de vie pour tous ceux qui l'ont connu. Lui, qui savait pertinemment qu'il ne vivrait pas au-delà de son adolescence, a tenu à laisser sa trace. Depuis son décès, ses parents, Leslie Gordon et Scott Burns, médecins de profession, ont lancé une campagne de recherche qui les a amenés à isoler le gène qui cause la maladie et ont depuis identifié un traitement médicamenteux qui a aidé à prolonger la vie de l'enfant atteint de progéria. Un travail très honorable qui a fait l'objet d'une grande communication médiatique et d'une nomination dans la catégorie documentaire des Oscars. Par la suite, une campagne de collecte de fonds a été menée afin de permettre à la science de faire avancer ses recherches dans la maladie de la progéria. Avant de subir une opération qui consistait à séparer ses jambes, Milagros Cerón, une petite péruvienne, ne pouvait pas marcher. Et pour cause, elle était née avec une maladie rare qui tue généralement les nouveau-nés dès les premières heures de vie. La maladie est connue sous le nom de sirénomélie, ou syndrome de la sirène. Hormis l'esthétique, la maladie était la cause de la déformation de sa colonne vertébrale inférieure et des membres inférieurs de son corps qui étaient fusionnés. Elle souffrait également de problèmes gastro-intestinaux ou de problèmes rénaux. D'ailleurs, bien qu'elle ait réussi à marcher après une grande série d'opérations, l'adolescente de 15 ans est décédée à cause d'une hémorragie cérébrale causée par un problème rénal. Milagro attendait une greffe de rein car elle n'en avait justement qu'un seul. Anchi, un petit chinois vivant dans la province de Jilin, en Chine, est né avec une grande tache de naissance sur le côté droit du visage. Une tache noire velue qui lui prend la moitié de son visage. Et plus il grandit, plus la tache prend de l'ampleur sur sa figure. À cause de cette anomalie physique, Anchi a été moqué par les enfants de son quartier qui s'amusent à le comparer à un singe. Une consultante psychologique, Mademoiselle Huang, aide le petit garçon à surmonter cette particularité physique et à l'assumer, en attendant qu'un jour il ait la chance de se faire opérer gratuitement à l'hôpital de chirurgie plastique Jilin Minghui. Isla Kilpatrick est atteinte d'une maladie terrifiante mettant sa vie en danger. Une dysplasie mandibulo-acrale affectant son développement osseux et entraînant également d'autres problèmes, tels qu'une maladie cardiaque et des problèmes respiratoires. Elle ne peut parler si ce n'est par la langue des signes. Sa famille, vivant à Leicester, au Royaume-Uni, se bat tous les jours pour faire connaître sa cause d'une part et pour lui offrir une vie à peu près normale. Car pour l'instant, son cas est si rare que personne n'en a entendu parler. Isla est à ce jour la seule enfant au monde atteinte de cette maladie. Qu'est-ce qui a pu arriver à cette petite fille pour qu'elle ait des cheveux blancs avant même de voir la vie? C'est l'albinisme partiel qui lui a été diagnostiqué à la naissance. Malgré sa maladie et son aspect très particulier, la petite Devina est en parfaite santé. Et d'ailleurs, elle est très jolie. Elle a même fait la une des médias locaux tellement son cas est particulier. La petite Devina devra juste se faire à la couleur de ses cheveux et en faire sa force. Mais sinon, elle n'est vraiment pas à plaindre, on dirait un petit ange. Madeline est une petite fille tout à fait normale, enfin, à quelques cils près. Avant que sa maman ne publie une photo d'elle sur TikTok, elle avait une vie ordinaire. Mais c'est parce qu'elle a attiré le regard des gens sur ses cils anormalement longs que Madeline a été au centre d'une grande polémique, accusant la maman de coller de faux cils ou de mettre du mascara à sa petite fille. La mère a bien évidemment démenti tout cela et a montré, coton à l'appui, que les cils de sa petite étaient naturellement longs. Anahita Hashemzadeh vit à Isfahan, en Iran. Ce qui rend cette petite fille inhabituelle, c'est sa beauté incroyable et envoûtante. Du haut de ses 7 ans, la petite a déjà des milliers de fans à son actif, d'abonnés qui la suivent sur les réseaux, des dizaines de contrats avec des agences de mannequinat et surtout, un compte en banque bien rempli. La petite fille suit ses cours à domicile. En plus d'être belle, elle est aussi très intelligente,
puisqu'elle réussit bien tous ses examens scolaires. Ses parents, Ali Hachamzadeh et sa mère Mariem Hachamzadeh, ont toujours soutenu sa carrière de top modèle en herbe. Ils ont d'ailleurs beaucoup de projets futurs pour elle. Deux choses fascinent encore les scientifiques de cette époque, l'astronomie et Ramsès Sanguino. Un petit garçon qui, à l'âge de 5 ans, était capable de dire avec une précision infaillible les pensées de sa mère. Aujourd'hui, le jeune garçon télépathe apprend 7 langues et résout des problèmes mathématiques très complexes. Sa mère, Nyx, publie souvent des vidéos de son fils montrant ses talents. Ramsès est étudié de très près par les scientifiques qui trouvent son cas très étonnant et qui le considèrent comme l'un des 5 meilleurs savants du monde. Sophie Green est une petite fille originaire de Chine qui a été adoptée. Elle vit aujourd'hui dans l'Utah et sa particularité est qu'elle est née sans bras. Malgré son handicap, Sophie, qui doit avoir aujourd'hui 13 ans, est capable de manger, d'écrire, de faire de la danse, pratiquer du vélo et d'avoir un quotidien à peu près normal, rien qu'en utilisant ses pieds. Et elle est très douée. Elle rend ses parents adoptifs très fiers, des parents qui ont également adopté sa sœur aînée souffrant de cécité. Il semblerait que la vie est une dent contre John Chris Carl pour qu'il naisse avec des centaines de dents. Ce jeune homme vivant à Cebu est effectivement né avec une anomalie appelée hyperdontie, qui lui déforme totalement la mâchoire et qui fait que des dents poussent continuellement. Il a tellement de dents qu'elles lui arrivent jusqu'en dessous du niveau de l'œil. Il a subi une opération où on lui a retiré 49 dents et doit en subir d'autres pour pouvoir avoir une apparence normale. Il est déterminé à toutes les extraire, mais des problèmes cardiaques sont venus entre-temps mettre des freins à ses projets. Ben Underwood est né aveugle. On lui a diagnostiqué un cancer de la rétine lorsqu'il avait 2 ans, ce qui a fait qu'on a dû lui retirer ses yeux à 3 ans. Pour dépasser cet handicap, Ben avait pris l'écholocation tout seul alors qu'il avait 5 ans. Il est ainsi devenu capable de détecter l'emplacement des objets rien qu'en faisant des cliquetis fréquents avec sa langue. Il faisait cela pour diverses activités du quotidien. Pour jouer, courir, faire du roller, faire du vélo, jouer au football et même du skateboard. Malheureusement, il est décédé quelques jours avant son 17e anniversaire, la maladie ayant eu raison de lui. Mais il aura quand même laissé un bel écho de lui. Angus n'est pas un garçon ordinaire, il souffre d'une anomalie chromosomique qui fait que, malgré ses 13 ans, son physique s'apparente à celui d'un bébé et son comportement est semblable à celui d'un enfant de 2 ans. Angus a besoin de soins permanents et d'une surveillance constante. Il ne sait communiquer qu'avec sa mère et ne le fait qu'en utilisant les doigts. Angus est condamné à être dépendant toute sa vie d'une tierce personne. Une femme a posté sur TikTok la photo de son petit frère, qui présente une anomalie très particulière. Le jeune garçon de couleur possède une grande tache blanche en forme de V au niveau de son front qui s'étend même jusqu'à ses cheveux. Une particularité physique qui lui vaut un aspect assez singulier. On croirait même qu'il a fait exprès de se teindre les cheveux en gris pour avoir cette apparence. Heureusement, le petit garçon assume parfaitement et semble même s'en amuser sur les réseaux. Aucune autre paire d'yeux ne vous bouleversera autant que celle de Emran, petit garçon originaire du district de Surk Road dans l'est de Nangarhar. Ce petit souffre du syndrome de Wardenburg, une maladie génétique très rare qui lui vaut mine de rien une apparence incroyable. Les yeux du petit sont de couleurs différentes, l'un est marron et l'autre est d'un bleu azur très profond. Tellement beau qu'on pourrait être hypnotisé. Son cas est devenu viral sur les réseaux sociaux. Non, cet enfant ne sourit pas à la vie, elle est encore trop petite pour le faire. Néanmoins, elle a une anomalie au niveau de sa bouche, cette dernière étant démesurément grande. Son sourire permanent est dû à une microstomie bilatérale. Quand elle était dans le ventre de sa mère, les lèvres de cette petite Australienne ne se sont pas correctement soudées au niveau des commissures, ce qui lui attribue cet aspect. À la naissance, la petite Ayla n'a pas pu téter du sein de sa mère. On compte l'opérer très prochainement afin qu'elle puisse avoir une vie et un sourire normaux. Rowan est une fillette de 7 ans vivant au Texas et elle est atteinte d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, une maladie génétique de la peau qui lui détruit l'épiderme et le quotidien. Elle mène un train de vie très handicapant pour son âge à cause de sa maladie. Elle ne doit pas s'exposer au soleil ni à la chaleur, ne doit pas se gratter ni se frotter. Sa peau fait des cloques, elle saigne et elle est si fragile qu'elle peut tomber en lambeaux si elle est agressée par un quelconque objet. Sa vie est un vrai enfer et celle de ses parents l'est encore plus. L'histoire de ces 3 Pakistanais est ahurissante. Shoaib, Rachid et Ilyas sont originaires d'un village du Baloutchistan. Tous les matins, ils se réveillent en même temps que les premiers rayons du soleil, tout frais, énergiques et pimpants. Ils vaquent à leurs occupations respectives comme tous les enfants de leur âge, mais dès que la chaleur du soleil et sa lumière commencent à s'estomper en début d'après-midi, les 3 enfants commencent à leur tour à perdre leur énergie, jusqu'à devenir complètement paralysés de fatigue avant de se coucher le soir. Un quotidien hors du commun, on les appelle « enfants du soleil ». 180 bananes, 8 kg de pommes de terre et 14 kg de riz, voilà ce que mange Suman Khatun par semaine. Cette petite fille est différente des filles de son âge à cause de son poids, vous l'avez bien remarqué, mais surtout à cause de son appétit insatiable.
Avec ses 91 kilos, cette enfant pèse 5 fois ce qu'elle devrait peser en temps normal. Elle a du mal à se tenir debout, à marcher ou à courir. Elle mène un train de vie handicapant, et elle en est bien consciente. Malheureusement, tout cela est plus fort qu'elle, puisqu'elle souffre d'un dérèglement de la thyroïde, seul responsable de cet appétit vorace et incontrôlable. La petite indienne risque de grands problèmes de santé. Ellie Thompson est née avec une arrhythmie congénitale, ce qui signifie qu'il est né sans son nez. Le petit garçon a fait le buzz sur les réseaux sociaux car son cas avait attiré l'empathie de milliers d'internautes attendris par son histoire. Cette maladie rare, recensée 41 fois seulement dans le monde, a engendré chez Ellie tout un tas de soucis de santé. À 5 jours de vie, Ellie a dû subir une trachéotomie en attendant de pouvoir l'opérer et lui reconstruire ses voies nasales quand il deviendrait plus grand. Mais cela n'a jamais pu se concrétiser car Ellie est décédée à l'âge de 2 ans sans raison apparente. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces enfants inhabituels. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.